A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azouji, pour la permission Allah, c'est nous troisième et dernier session concernant sujet qui nous fin prend, Qurbani Eban, la loi Zaba. Pour Azouji, frères et sœurs en islam, premier, deuxième session, nous terminons concernant Qurbani. Pour Azouji, ce qui est avec nous dans notre troisième session, c'est ban la loi, ban adab de Zaba. Li bon, li sunna, li meyir, qui me fait mon Qurbani avec mon propre armée. Li meyir, qui me fait mon Qurbani avec mon propre armée. Rapporté par Anas radiyallahu an, hadith sahih al-Bukhari. Dans ce hadith, il dit « Dohha al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bikabshayni amlahayn akranayn » Il dit « Rasul sallallahu alayhi wa sallam li tifia zaba deux béliers, deux moutons mâles qui ti amlah. Amlah, c'est un animal qui blanc côte soligée et sur la patte couleur noire. Sa description mouton là et zanimola ti enakon. Sa demouton mala zo ti enakon. Ensuite li dia dhabahahuma bi yadihi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li fin imol sa demouton là avec solami. Ti naban sahaba. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam li fin faire son propre sacrifice. Frères et sœurs en islam, dans un autre hadith rapporté par Al-Musayyib bin Rafi', dans ce hadith, il dit Anna Aba Moussa, radiyallahu an, il dit nous certainement Abu Moussa, c'est un sahabi. Certainement, ce sahabi-là, qu'il est type fait, Kana Ya'muru Banatahu. Li tipe odon so ban tifi pou ki banna egoz zot fi zaba zot mouton avec zot prop lami. Bazan lo sa hadith la, sa athar la, sa resi la, nou al kompran ki au fait même un madame li gen droit fiye kurbani. Un madame, un fi li gen droit koup, un bef pou kurbani. Un madame, une fille, li gen droit coupe un mouton pour akika pour kurbani. Aussi bien une madame, li gen droit coupe un animal comme sadaqa. La permissibilité li la pour une madame, pour une fille, zot aussi zot faire zaba. Li bon qui nous met ban mot de sa place. Et na des fois un djimoun dia ça coûte halal la combien ça? Kuto halal la, ou kapa jemen kou sopri, zanimo la, mou pi al fè halal talia. Talia mou pi al fè halal en zanimo. C'est une fausse phrase, une fausse parole. Nous dire, sa kuto zaba la, combien? Mou pi al man son kuto, c'est pas kuto halal ça. Halal j'ai permissible. Qui kuto permissible, c'est quoi? Nous dire, sa kuto zaba la, combien? Amène mon kuto zaba, lave mon kuto zaba, trappe mon couteau zaba un coup, me dire, me pial faire zaba un animal. En arabe, zabhun. Dans nos langages, nous dire, nous pial faire zaba un animal. Non plus me dire, me pial faire halal un animal. Parce qu'il peut faire des gens halal, il est permissible pour manger. Mouton des gens halal, il est permissible pour manger. Un pauk li haram, un nichel li haram. Mais qu'il y a le couteau halal, me pial faire halal. Me dire, me pial faire zaba, me dire, amène mon couteau ou prends mon couteau ou trappe mon couteau, zaba. Ça, en, ça premier, c'est qui? Les sunnas, les meilleurs qui me coupent mes animaux avec mon propre armée. Et aussi bien, ban madame, ban fille aussi, je gagne droit, coupe les animaux. Deuxième, adab concernant Qurbani,
fit couteau bien. Sa couteau qui m'a coupé là, fode mo bien aiguise li, mo bien fit li, non plus sur l'âme kouma les dents. Mo bizan mek chou, quand mo pe al, imol sa zanimo là. Mo pe al fait qui ça fait halal ou ben zaba, répond. Zaba, très bien. Mo bizan mek chou, quand mo pe al fait zaba sa zanimo là, mo couteau rasoir, li bien fité, passe un coup de courage, fini. Mon soulas sa zanimo là. Dans un hadith, qui est un musulman, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il dit, il dit, inna Allah a kataba l'ihsan ala kulli shay. Il dit, certainement, Allah, il fin écrire la bienfaisance, la bonté, le tout bon qui de choses. Allah content qu'on nous fait tout bon qui de choses bien. Ensuite, il dit, fa idha qataltum, fa ahsinu l'qitla. Alors que je te peux tuer, je te peux tuer, qui je te tue bien. Ensuite, il dit, wa idha zabahtum, fa ahsinu zibha. Et quand je te peux faire zaba là bien, fais-le à la perfection. Qu'appelle faire un zaba bien? Faire un zaba bien, c'est pas mon acheter un couteau orcos, solingen, ou bien du moins 32 000 à 3 000 roupies, non. Il est capable un couteau de valer 2000 3000 roupies. Mais s'il n'est pas fait des gaspillages. Qu'appelle un bon zaba? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tant qu'il dit wal yuhidda ahadukum shafratuhu li dit ki saken fit solam ce couteau bien. Ensuite il dit fal yurih dhabihatahu et qu'il facilite ces animaux. C'est ça qu'appelle mon fils Zaba un animaux à la perfection. C'est quoi? C'est qui mon fit mon couteau bien, rasoir, ensuite me passer. Comment dit bien fité, me passe un coup de courant infini ouvert la gauze là. C'est de là qui me facilite, me soulage ces animaux là. Non plus un couteau, les capables en cause. Les capables du masrandé. Les capables, si pas trois clavelés, c'est un petit couteau y était, quand il était bien glacé. Mais c'est moi, combien moi, combien l'année pas fité. Comme vini, bébé, c'est poussé de la main ici, allez, vini, il pas les couper. Et n'a dit, mon bébé, j'ai un pays, mon la main, appelé, mon pé, massacrer ces animaux-là. Pessé, ça, hein? Pé faire vulme, dominer ces animaux-là, là. Et n'a compte pas le rendez pour ça. Parce que, tu fin gagne un an pour préparer ton fit ton couteau. Qui est-ce qu'on va ni ton couteau pas fité? Pas une semaine un mois là. Il gagne bakri d'année passée quand il passe couteau. Sa bakri d'aide jusqu'à sa bakri là. Tu pas fit couteau? Mais ça, négligence de la part de sa musulman là, alors il condamné. Jimmy est capable un simple couteau qui oui, 150, 200 roupies. C'est même un fit bien le lambel pour passer, retourner. Khalas, fini, ça appelle un zaba à la perfection. Zaba à la perfection, un bon zaba, c'est pas qui longueur couteau tu es là, c'est pas combien mille ton couteau était, non. Si le ciel est bien fité, ok. Mais un bon zaba, c'est un outil, un lame qui est bien fité, Moussoula Zalimola, très vite. Bismillah, Allahu Akbar, passez, retournez, fini. Non plus, c'est pas va dire, bizel, dit alim, il amène les dents pour couper, ça. Li pas bon. L'autre adab, c'est fit couteau loin. Déjà, c'est fit couteau bien. Maintenant, fit couteau loin. Rapporté par Ibn Abbas, radiallahu an, li dit, marra Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ala rajulin wadu'in rijlahu ala safhati shatin, wa huwa yahuddu shafratahu, wa hiya talhadhu ilayhi bi basariha. Dans ce hadith là, Ibn Abbas dit nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une passe côté une personne qui lui fait une pause sur les pieds le flanc animaux là. Et entre temps, pendant qu'il sont les pieds le flanc animaux là, ça dit mon nom, il peut fit sur l'arme, il peut fit sur couteau et les animaux là peut guetter avec son lié. Les animaux là peut trouver mon nom fit couteau.
De là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam jali, afa la qabla hadha, et tu pas qu'à faire ça avant. Sa action fit couteau là. Tu pas qu'à pas faire ça avant. Comment nous dit ton gars un an pour préparer fit ton couteau. Comment arrive Zou Bakri, tu viens devant animaux là pour fit ça couteau là. Mais la veille pas qu'à pas faire li. Une semaine avant Bakri, pas qu'à pas faire li. Zou Bakri ne fait pas gérer par négligence même. Si on a profité de Zoubakrit, Adam, que tu fais? Pas venir devant les animaux, là, faire action là. Et il y a des fois, un djimoun, il y a des animaux là, il y a des couples, il y a des abats, il finit de coster, oh, il peut prendre ce couteau, il peut passer le physique comme ça. Pas gagner droit. Quand il approche les animaux là, il se coupe. Non plus pas ce couteau, le physique, non plus pas ce couteau, le lamel. Ça, il gagne un an pour me faire. Pour me faire et me refaire. Mais quand il arrive on the spot, sur place, dis pas ce couteau, fais juste l'action. Devant les animaux, pas fit couteau, pas passer au physique ça. Quand il y a des autres, c'est une autre chose. Si moi, je pour fit, dis-je même, je vais faire une autre place, une autre place pour les animaux là pas trouver. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, jali, aturidu antamita hamautan, est-ce que tu voulais tuer ces animaux là plusieurs fois? Get so gravité. Tu as envie de tuer plusieurs fois. Tu n'es pas capable de faire ça avant. Donc, frères en islam, si nous devons faire Zaba et les animaux, qui nous finit fit nous coûter bonheur. Si pour négligence, si nous arrivons sur Bakrit qui dit mon nom, nous devons faire fit une place pour les animaux là pas trouver. Quant à l'autre adab de Zaba, risque les animaux là bien. Risque les animaux là bien. Mais ça athar là, ça hadith là, ça récit là, nous pas pour expliquer en détail qui fait nous dire. Rapporté par Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, c'est un tabi'i. Ça récit là, l'itou de Bayhaqi, l'idja anna Omar radiallahu an, ra'a rajulan, yajurru chatan, liyathbahaha. L'idja qui Omar ibn al-Khattab radiallahu an, tu trouves une personne, péris un mouton. Li péris librit. Qui Omar in fait, fadarabahu bidarrab. Omar radiallahu an, fin fretli. Fin tapli coup de fret. Ça dit mouna. Basant l'action qu'il peut faire. Ensuite, Omar radiallahu an, jali, soukha la malaka. Il a le mouti saoukan jamilan. Car Omar radiallahu an, tout action il est en colère. Alors, le jali, quitte maman. Quitte pas ena mama. Les jali quitte pas ena mama. Veje na kulen se bien mauvais parole li. Ensuite les jali amène niver l'amour de une bonne façon. Te parler couple, alors amène avec la bonté, amène avec la gentillesse. Pas faire bruit avec lui, si pas te pourris sol, écoute pour trangler, tu amène non. Ça c'est récit là. Mais seulement frère son islam, c'est un récit qui n'est pas authentique parce que c'est lui qui peut rapporter sa hadith à un tabi'i Ibn Sirin rahimahullah n'est pas fait une zone avec Omar ibn al-Khattab. Comment se fait-il qu'il peut rapporter une chose ou une personne qui n'est pas fait une zone avec lui? Ça c'est un récit qui est faible. Quant à un autre adab de Zaba, fais animaux là allongés. Fais animaux allongés, il applique pour bœuf, mouton, cabri. Quand on dit bœuf va tout rentrer dedans, mouton mâle femelle, cabri bouc tout rentre dedans. Quand à chameau, nous pique-li des bouts même. Quand à chameau, comment nous coupe-li des bouts. Mais quand à bœuf, mouton, cabri, ça banna, li bon li sunna, nous met-li allongé. Rapporté par Aisha radhiyallahu anha de Muslim. Li ja'a wa akhadha al-kabsh fa adja'ahu thumma dhabahahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin attrape le bélier, il fin attrape ce mouton. Ensuite, il fait li allongé. Et ensuite, il fin égosse aux animaux. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant de couper ces animaux, il pan coupli des bouts. Il pan coupli des bouts. Qu'il fait, il trappe, il fait li allongé. C'est de là qu'il fin passe, couteau, il fait zaba. Un mouton, un djimoun, même drapé, c'était ça. Ou bien des djimoun, peut-être pour mettre la côte, une façon de parler. Mais quand tu as un bœuf, nous bisez mettre un la côte, ensuite nous
ces animaux-là. Mais quant à sa mort, debout même nous, égoïsli. Le adab de Zaba, quand nous parlons d'immol et d'animaux, c'est faire lui faire face Kibla. Libo, quand nous peut couper, les animaux-là, ils viennent direction Kibla, les sunna. Ça les trouve dans Moussan 9, Abdel Razak. Rapporté par Nafi, il dit Anna ibn Omar, radiallahu anhuma, il dit certainement Ibn Omar, كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةَ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ Les Janouki, Ibn Omar radiallahu anhuma, les petits comptes mangent un animaux qui finit égorgé dans une autre direction que Qibla. Le fils de Omar ibn al-Khattab, le Sahabi, Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, un animaux qui est coupé, qui pas fait direction Qibla, il est couplé, il est halal. Il fait Allah Akbar tout, il n'est pas si content de ça. Qui fait? Parce qu'il n'est pas via direction Qibla, il fait sa action là. De là, nous dit, les sunna pour nous via nos animaux direction Qibla. Alors, nous, en tant qu'il nous permet nos animaux contre nous, nous devons faire provision qui, quand nous pèse des animaux, là, nous étions direction Qibla. Nous avons un an pour préparer. Vous préparez sa place là, les sunna. Mais, il y a des fois, les animaux là tellement gros, ou bien ils peuvent faire une désordre, une bande, tout pas capable d'inzeter, tellement les loups ne peuvent pas capables de risser via direction Qibla, peine assez de monde dans la cour, les animaux là gros. Alors, l'hypermissible qui nous pas coupe, l'hypermissible qui nous pas via dans direction Qibla. Il n'y a pas une obligation, mais les sunna nous fait tous nos efforts, nous. Même les gros nous fait tous ces efforts pour vialer dans la direction Qibla, nous mettre sa sunna là en pratique, si toutefois, pas capable, si pas comment nous peut dire, les animaux là féroces, si pas une panique qui ne prend place, les trop gros papés capables de risser, alors les permissibles nous couplent dans n'importe qui direction. L'autre adab concernant Zaba des animaux, c'est pose les pieds le saut flanc. Pas poser les pieds sur la tête, ni sur l'estomac, ni sur les deux. Mais quand ils êtes là, le saflan là, les sunna qui nous posent, nous les pieds là. Rapporté par Anas, radiallahu an, dans Sahih al-Bukhari, il dit « Dohan Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, bikabshayn amlahayn akranayn » Il dit « Le prophète d'Allah, qui égose des béliers, des moutons mâles » Hadith, nous avons cité ça. « Les coupe des moutons mâles » qui amlah, nous finissons expliquer c'est quoi un mouton blanc, qui est soligé et qui a la pâte couleur noire, akranen jotenakoun. L'idée, Zabahahouma biyadihi, le prophète fait une couple avec ceux de l'armée. De là, nous dit, si nous avons l'argent pour faire une courbani à l'extérieur, est-ce qu'il est capable de mettre sa sunna là en pratique? Pas capable. Haditha contient, l'idée, wasamma wakabbara, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Lifin, prends le nom Allah, l'india bismillah. Ensuite, l'india Allahu Akbar. Ensuite, qu'il fait, wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'in prend sur les pieds, l'ifin pose, les animaux là sur flanc. C'est là qu'il fait ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous disons bien, les bons, les meilleurs, les sunnah, qui nous pose, nous le pied, le flanc, ses animaux qui nous peut couper là, pendant qu'il nous peut couper. Ensuite, frère et sœur en islam, l'autre adab concernant Zaba, c'est nous couper les animaux là avec pitié. Non, plus on prend mon couteau, hein, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Check un coup, hein, filme-moi un coin, hein, n'est-ce que filme-moi un coup, n'est-ce que ça fait de l'un coup là? Non. Comment nous coupons nos animaux? Avec pitié, avec un chagrin de nous l'équire. Nous avons besoin de ce mindset-là quand nous approchons avec ces animaux-là. Nous avons besoin de ce que tout là, de tout pour attendre que nous avons un héros pour couper un gâteau. Pas ça, ça. Quand nous approchons ces animaux-là, nous avons besoin de couper avec raham, avec pitié. Rapporté par Qurra bin Iyas, c'est un hadith qui est dans Moustadrak Hakim, l'authentique.
Lija anna rajulan qala ya rasulullah. Lija an personne fin dia au messager d'Allah. Inni la arhamu shah an azbahaha. Lija ya rasulullah mogen pitié pour egos an zanimo. Li capable couper, li pial couper. Lija ya rasulullah mais seulement mogen en chagrin. Mogen pitié quand mo pe al coupe ces animaux là. De là Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jali in rahim taha, si tu n'as pitié aux animaux là pendant te coupli qui arrivé li jali rahimakallah Allah pou gain pitié le toi. Subhanallah. Chers frères en islam, qui action qui sa di mouna pe al faire hajj umra salat non li pe al coupe en animaux. Les pays passent couteau le en animaux sur la gauche. Dans un moment pareil, Moses gagne pitié le li, Rabboul Alamin li gagne pitié le moi. Get qui récompense, mo capable gagner et mo pour gagner inshallah comme mo peut al coupe en animaux avec pitié. Qui se récompense? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si tu gagnes pitié, le ou ces animaux qui te pialent à battre là, Allah pour gagner pitié le ou toi. Alors quand nous pialent pas ce couteau, nous pas al pas ce couteau comme si un paquet pialent cassé, si papa dirait, mou bizal attention, dit moun, tout dit, un bon passé couteau ça. Non. Quand nous pialent là-bas, bizal la sincérité de nous allons faire ça pour Allah. Et quand nous pialent avec ces animaux là, nous besoin une personne qui nous montre nous n'a pitié et nous couple avec pitié. L'autre adab c'est couple côte sur la gauche. Nous on plus coupe pas alors hier. Couple pas sur la gauche par devant. Ibn Abbas radiyallahu anhu ma dans Sahih al-Bukhari il dit "Az-zakatu fil halqi wal bal wal labati." Il dit "Zaba c'est dans la gauche et dans le bas du cou." Veut dire quand nous faisons zaba, un animal c'est dans ce la gauche. Non plus alors y'a ce le cou. Quand nous avons pour coupe, il mol un animal, nous passons couteau là l'eau ce la gauche. L'autre adab de zaba, c'est prendre nous Allah comme égosli. Comme au péal, faire zaba un animal. Si nous trouvons un djimoun, puis elle fait zaba un animal, nek tous li. Comment li prépare l'action? Djali, pas oublier, djali bismillah, Allahu Akbar. Pas rappel li un coup. Kapaw, si pas première fois qu'il peut faire zaba, il peut y avoir un trac qui a juste pas une nek pas scouteau, y a oublier, djali bismillah, Allahu Akbar. Qui nous besoin faire? Quand nous peut al coup d'animaux là, nous aussi, fait un djimoun, nek rappel nous. Quand nous prêts pour passer l'action. Hein, pas oublier de bismillah Allahu Akbar avant de passer couteau là. C'est de là qui nous passe nos couteaux. Rapporté par Anas radiyallahu an hadith musnad Ahmad un hadith authentique. Il dit anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhabaha fa samma wa kabbara. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam litifa zaba an zanimo l'india fasamma l'india bismillah wa kabbara et Allahu Akbar. Get comme coupe un animal qui me dit hadith hein? Pendant qu'il nous prépare ce que me dit bismillah Allahu Akbar mon couteau bien fité et n'a pitié d'un mot et mon lipier posé le flanc d'animaux là. L'autre adab de zaba c'est une personne fait un manchon de son nom. Mon père coupe un animal pour moi. Suivez attentivement, ne explique-le là. Rapporté par Jabir radiyallahu an, hadith Abu Daoud, un hadith qui est authentique. Il dit Shahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-adha bil musalla. Il dit moi témoin, Eid al-adha. Avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le musalla.
Kili janu falama qada khutbatahu nazala min mimbarihi. Lijia lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ti termine khutba, li ti descend depuis son mimbar. Et ben na fin apôt un bélier pour lui, un mouton mâle pour lui couper. De là Jabir radiyallahu anhu dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam li fin égosli avec solamé wa qal li fin dit bismillah au nom d'Allah. Tan bien là bismillah wallahu akbar. Premier Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit bismillah. Ensuite, Wallahu Akbar. Et il dit, Hada anni. Il dit ça, il dit des mots pas. Comme on peut couper moi, le mot pas, je dis Bismillah, Allahu Akbar, Hada anni. Il dit ça, il dit des mots pas. Mais si je peux couper pour moi et ma famille, hadith là continue, il dit, Wa ramma lam yudahi min ummati. Et ça pour ban qui fin faire qui pas fin faire qurbani de Muhammad. Nous expliquer maintenant. Frères et sœurs en islam, si une personne li peut égose un animal juste pour lui. Mo peut faire zaba un animal juste pour moi. Alors quand mo peut pas scouto les animaux là, mo dire ça sacrifice là li des mots pas. Comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire sa sacrifice là, sa courbani là, li démo pas. Et si li pe ego sa animaux là pour lui et sur la famille, ban membre de la famille, si mo pe faire courbani pour moi et mo la famille, alors li dit sa sacrifice là, li démo pas et de la part de mo famille. Si mo fait ça, mo dit bismillah, wallahu akbar, sa sacrifice là, li démo pas. Hada anni. Si je peux faire ça pour moi et pour la famille, je dis Bismillah, Wallahu Akbar, ça sacrifice là, les démo pas et la part de ma famille. Ça, c'est pour moi un adab de Zaba. L'autre adab, c'est demander à Allah pour accepter sa courbani là, les mots pas. Demande à Allah pour accepter sa sacrifice là. Attention, je dis pas ce couteau, je dis tous les animaux sont courbani, mais action pas net. Accepté auprès d'Allah, il est grave. C'est moi qui paye dedans. C'est pour ça, Moïse dit oh Allah, acceptez sa ribada là des mots pas. Rapporté par Aisha radhiyallahu anha, hadith sahih Muslim. Lijia fa'addaja'u. Il dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin allons ces animaux là, thumma dhabahahu. Et li fin imoli din pas couteau. ثم قال ensuite Rasoul sallallahu alayhi wa sallam li fin dia bismillah au nom d'Allah Allahumma taqabbal min Muhammadin oh Allah accepte sa sacrifice ça de la part de Muhammad wa ali Muhammad et de la part de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa min ummati Muhammad et de la part de ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allo. Nous disons quand nous pouvons faire qurbani, qui nous dit, oh Allah, acceptez sa qurbani là de nous pas. L'autre adab, maintenant frères en islam, il y a des fois, nous trouvons, il y a des gens qui font des animaux, boire de l'eau avant de les couper. Vous avez trouvé ça oui ou non? Très bon. Avant de couper les animaux là, sa personne n'a ni de l'eau. Nous avons nous faisons une bonne recherche. Il n'y a aucun hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il donne de l'eau à boire à un animaux avant de les couper. Ni ban sahaba fin donne un animaux de l'eau pour boire avant de les couper. Il n'y a aucun hadith là. C'est un djimoun, si pas étant les animaux là, ils fatiguent, ils bavent, ils font les bonnes choses de l'eau et qui chose. Mais c'est un djimoun et une croyance qui oblige donne un animaux de l'eau avant couple. Sinon, c'est un gouna, si pas un PC, la livine un bida. Livine un bida. Parce qu'il y a une chose qui peut être un hadith là,
comment nous capable faire ça venir en ribada nous. Donc nous dire c'est un djimoun il donne un animaux de le pas bonté les animaux là peut baver si pas tant c'est sur les coups sur l'autre une fatigué. OK. Mais si dit obligé, il y a une croyance obligée de donner de l'eau. Attends, t'as pas coupé là, tu ne donnes de l'eau non. Et dit tant jour gain PC gain tout là. Tu pas on est obligé de donner des animaux de l'eau avant couper. Ça dit totalement fausse. Pena aucun hadith loula. Maintenant, frères en islam, ban adab infini. Adab concernant zaba infini. Li sunna, me coupe mes animaux moi-même, me pose mon lipier le soufflant, me dit bismillah, wallahu akbar, quand me passe couteau, fit couteau loin, pas les animaux trouvent couteau, et aussi bien couteau bizin bien fité. Couteau bizin bien fité. Maintenant, un point qui est très important, c'est ban eria qui dit moun fia. C'est ban eria qui dit moun fia. Kurbani interminé, adab zaba interminé. Maintenant, nous amène ban eria qui dit moun fia qui offre pena sur place d'ordin. N. C'est lui qui est né pour le faire, kurbani. Les 10 Dhul Hijjah, il ne prend pas Kurbani, il n'a pas une relation avec ce madame. Il dit non, il ne faut pas approcher mon madame aussi longtemps qu'il ne pas faire Kurbani. Il fait les fausses. Il n'y a aucun hadith là. Hadith clair, il ne faut pas les tailles sur son, il ne faut pas les rares sur CV ou les corriger sur CV. Mais concernant approcher ce madame, ça n'y a aucun hadith là. Alors, permissibilité là. Déjà, avant, faire kurbani avec un animaux des colis mettre flier si pas mettre hard dans ce licou pena aucun preuve qui rasoul sallallahu alayhi wa sallam tu mettre flier dans licou ban animaux avant couper ni ban sahaba in faire sa action là allo li pena sur place d'ordine. Troisième ban eri qui dit moun faire c'est qui jette atasse de kurbani sa ribada là et li pena non y a faire c'est passe la nuit la veille bakrid. Et là, Benjamin, je passe la nuit la veille Bakrid. Il n'y a aucun hadith qui dit nous passe la nuit la veille Bakrid. Au contraire, ça dit que nous peut faire sur l'écho, misère. Dans le dîme, lui même pour fatiguer premier, il y a un grave coupe d'animaux. Il peut fatiguer, il manque sommeil. Il n'y a aucun preuve qui dit ça. Quatrième frère, son islam, conception qui bizarre et wazou pour le faire kurbani. Liban, un musulman, il reste avec wazou. Liban. Qui nous reste avec Ouazou. Mais gain croyance qui bise en Ouazou avant de faire Kurbani, ça lit totalement fausse. Pena aucun hadith contre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam in djenou, faire Ouazou après de faire Kurbani. Pena aucun hadith loula. Mouna Ouazou, mou faire Kurbani, gain droit. Pena Ouazou, faire Kurbani, gain droit. L'autre point, c'est faire Kurbani contre Kabar. Kabar, ici, nous pas faire li. Si pas dans nos pays, mais il y a une place, ben Jimoun, je vais faire Kurbani contre Kabar. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui dit, il n'est pas légitime, il n'est pas permissible pour qu'il y ait un égose, ce Oudhiyya, ce Kurbani, et les autres animaux contre ben Kabar. Nous pas gain droit à faire sacrifice, ben animaux contre Kabar. Ensuite, il dit, c'est lui qui pensait, qui sait faire, qui fait Kurbani contre Kabar, lui recommander et lui meilleur. Un djimoun qui n'a croyance, qui lui croit. Quand il peut faire Kurbani contre Kabar, ça lui meilleur, lui bouge plus grande récompense. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lui dit ça, c'est un jahil. Il y a un ignorant, il y a un égaré, qui lui peut contradire Ijma, consensus de ban musulman. Faire Kurbani de Molakas, dans mon lacou, il n'y a aucun problème. Mais, mon pensée bizarre contre Kabar, à faire Kurbani, à faire sacrifice, ça y n'a plus valeur, ni peine à sa place d'ordine, c'est un bid'a. Et, l'autre action qui dit moun faire, mais c'est moi, ni peine à sa place d'ordine, ni peine à n'y a fait avec Kurbani, c'est faire takbir à haute voix quand on coupe les animaux. Nous trouvons comment faire Bismillah, Allahu Akbar, et l'équipe commence Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Entendez, pas entendez. Je fais l'ilo un sourd, un taraz tout. Pena aucun hadith contre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il lia sa tasbila, sa dhikra pendant qu'il y peut couper les animaux.
ni ban sahaba ridwanullahi alayhim zunni Allahu akbar Allahu la ilaha illallah personne pan yesa parmi ban meye qui ne comprend ça dit na quand je fais une coupe je d'animo pour qurbani. Maintenant frères en islam ena jimun ena conception qui les recommandé qui ban membre de la famille je assisté zaba de jot qurbani. Et na jimun et na conception qui ka faire qurbani tout ban membre la famille bizan ici. Et na ban récit ban hadith concernant ça mais tout faible. Et na ban hadith lola mais seulement tout faible. Nous prend li. Rapporté par Ali radiyallahu an. Ça trouve Bayhaqi li dit anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala li Fatima. Le prophète d'Allah dit à Fatima radiyallahu an ya Fatima, ô Fatima, ô motifi, koumi, fâche, hadi, odhiyatik, lijali, ô motifi, debout et témoigne te odhiyat, al témoigne te kurbani. Alors, c'est un hadith qui fait et n'a faiblesse de ce hadith-là, comme ça même, et n'a pas notre hadith, l'eau, ça sujet-là, mais seulement tout ban hadith-là, li faible. L'eau, c'est nous, ban, tout ban membre la famille, bisa al témoigne je kurbani. Quant à l'autre erreur encore, qui dit moun fait c'est fraude disant qurbani le front. Fraude, et na dit moun, li prend disant qurbani, li fraude le so front. Capable ici, et n'a pas fait li, mais et n'a so place dit moun fait li. C'est un bid'a, li pena n'a rien à faire d'ordine. Comité Fatwa l'Arabie Saoudite, je dis, fraude, front avec disant, prend disant fraude le front, mais j'ai du. Disant Odehia, disant Kurbani, Banadia, nous pas qu'on aucune source depuis le Coran, ni depuis le Hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni depuis le Sahaba, il fait ça, ni dans le Coran, il dit fraude, disant Kurbani le front, ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça, ni le Sahaba, il fait ça. Alors, comité fatwa, je dis que ça, c'est un bid'a. Et la Jimoun, et la conception qui bizant, après Kurbani, bizin rase la tête. Comme ça même, il n'y a aucun prêt depuis le Coran, Hadith, et ben Sahaba, qui dit nous un djimoun, ni bizin rase la tête, quand il finit faire Kurbani. Et il y a une conception qui dit, qui n'a pas le droit de casser les Kurbani. Les Kurbani, tout le monde est là, il ne faut pas casser, pas le droit. C'est un bidra. Gain droit, casse les os. Gain droit, casse les os Kurbani. Comité Fatwa l'Arabie Saoudite, je dis, pénanonye de casse les os et cône des animaux qui nous font comme Kurbani. Nous ne faisons Kurbani mouton ou bien bœuf. Et na cône et na les os des animaux là. Si nous ne cassons pas les os ou bien nous ne cassons les os, pena aucun PC, pénanonye de mal là-dedans. Parce que ni de Coran, pas de pas faire ça, ni de Hadith, ni de Sahaba, je l'ou là. Quant à l'autre, bidra qui est attaché avec Kurbani qui lui peine à sa place, c'est celui qui peine à le moyen pour faire Kurbani, lui faire 4 rakats salat, zou bakrid. Et il y a une parole qui dit celui qui pas fait une gagne, lui peine à le moyen pour faire Kurbani, alors qui s'agit mounia faire 4 rakats le jour de Eid ou l'Adha, le jour bakrid. Ça, c'est un bidra. Peine à la Quran. Ni Rasoul sallallahu alayhi wa sallam in fiya il in jafiya et ni ban sahaba ridwanullahi alayhim in fiya sa ban action là. Donc frères et sœurs en islam, ça c'est nous exposer concernant Kurbani et ban la loi de Zaba. Avant nous terminer, nous dire pour la paix, Mishou Allah, quand nous étudions din à l'islam, nous pouvons trouver quantité din à l'islam. Ils mettent l'emphase, l'eau agir bien envers les animaux. Traite les animaux donne le droit. Même un pauk, les haram, un nichin, les haram pour consommer. Si pas pour acheter, vendre,
mais seulement nous pas gain droit faire jeu dito get quantité l'emphase l'importance din al islam in mette l'eau comment nous coupe les animaux l'islam fin enseigne nous ban musulmans pour qu'ils nous immolent les animaux avec pitié avec bonté avec la gentillesse l'islam fin enseigne nous pour nous fit nous couteau loin non plus près avec les animaux là l'islam fin enseigne nous pour qui nous fit nous couteau rasoir comme ça comment passe un coup des coups nous fini facilite nous soulage ces animaux là et frères et sœurs en islam mais seulement ce qui s'agrinant nous encore trouve bah non musulmans je peux dire qui comme nous coupe les animaux système halal c'est un système bobo et quand nous get ça bah non musulmans là get nous comment l'islam fin enseigne nous pour agir avec bonté envers les animaux et pour couper les animaux avec la gentillesse. Ça vient depuis Allah, enseigné par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous sommes dans l'Espagne, nous pouvons trouver là-bas une activité appelée bullfighting. Vous connaissez? Qui va nous faire là-bas? Je mets un bœuf. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je ne donne ni manger, boire bien, non? Je ne donne ni lire bien. Hein? Je te caresse. Qu'est-ce que je fais là-bas? Réponds. Je touille. Je prends un long, long pic. Je pièce les animaux là. Je touille. Les animaux là, c'est rien net. Ils commencent à skimer, ils commencent à baver. Totiali avant l'imo. Ici, l'islam dit nous fit couteau, rasoir, ensuite passer pour soulager. Là-bas, pépic 1, pépic 2, pépic 3, pique soleil qui est, l'isaigne, l'écrase 10 ans. Ça va non musulmans la guette, ça, je ne pas dire non. Je trouve ça une action de ban, soi-disant civilisé. Et payer à l'guette ça. Et dans le YouTube, je guette ça, je tiens plaisir là-dedans. Et je ne pas condamner cette action-là. Si elle est capable, si elle parle l'Espagne, elle parle de tout, elle guette ça. Mais si sa même action, un musulman peut faire ça, là, qui arrive? Crime. Mais qui religion tu peux pratiquer, toi? Une religion, pick and choose. Si musulman, tu peux faire cette action-là, guette ça, ban musulman, là. Guette ça, ban lascar, là, ban bobo. Je peux mutiler les animaux. Là-bas, ben, non musulmans peuvent faire ça. Tu es content, tu applaudis, tu n'as rien à dire. Et tu n'as pas trop ce système-là, un système de la barbarie, mais système halal, meilleur système, meilleure pratique. Nous trouvons ça, je trouve ça, comme un système de la barbarie, permet-il de faire dominer les animaux. Si pas les animaux-là, l'homme peut couler. Coupe les animaux avec tant de bonté, tant de pitié et sagesse. Comment l'islam fin enseigne nous, ça, ben, nous musulmans, je trouve ça comme crime. Mais l'autre côté, dans l'Espagne, quand ben, on a pu mutil, pu torturer un bœuf, pu poignarder plusieurs coupes de sang, faire bœuf là, venir en pasté. Là-dedans, nous guettons ça sur YouTube. Nous apprécions, nous tirons plaisir là-dedans. Nous ne trouvons pas ça comme un le mal. Au contraire, nous trouvons ça comme une action qui permet la joie. Subhanallah. Alors, un non-musulman, avant qu'il attaque l'islam, concernant halal, couper les animaux, les tibons, je t'agite un petit peu concernant les restes religion. Tu peux venir attaquer un principe qui remplit de bonté, de gentillesse et qui te peut quitter. Ban qui peut oppresser, ban animaux peut massacrer, ban animaux peut mutiler, ban animaux, excepté nous trouver c'est un l'injustice des ban non musulmans envers nous ban qui n'a iman. Donc nous faire droit avec Allah qui lui fait nous bénéficier avec ce qui nous fait écouter, nous faire droit avec Allah subhanahu wa taala
pour les honneurs ban musulmans et les pardonner ban musulmans. Nous faire droit avec Allah qui a accepté nous ban sacrifice qui nous fait et nous faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala qui lui pardonne tout ban péché qui nous fait faire le salatiala et le jour du qiyama lui mettre nous dans Jannah al-Firdaus ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.